Donc, les mythes et les rites, c'est extrêmement important chez les Amérindiens quand on voit certains rituels, j'en ai vu quelques-uns, mais évidemment, ce que j'ai vu, d'associer le mythe et le rite, qui le plus souvent vont ensemble. Évidemment, le plus bel exemple qu'on puisse avoir, ce sont les mythologiques de Lévi-Strauss. Ou un très beau livre aussi chez Sebag sur les Hopis, les Mythopies. C'est vraiment, c'est un sujet fascinant. C'est un énorme sujet aussi, parce que c'est par rapport aux différentes nations nord-amérindiennes qui ont des cultures différentes, des langues différentes et des rituels différents, mais souvent, il y a souvent une mythologie qui se partage, mais qui est unique par rapport aux détails. Où il y a le grand thème, par exemple, du décepteur, le trickster, qu'on retrouve très bien décrit chez les Winnebago par Paul Ranin, qu'on retrouve chez les Innus, chez les Cris, qu'on retrouve partout, chez le Jay sur la côte nord-ouest pacifique, etc. Bon, il y a vraiment, c'est vraiment, c'est d'une richesse absolument inouïe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin, c'était comme. Oh, c'était quand même dans les années 60, avant les années 70, ça fait très longtemps de ça, que, ben oui, ça fait longtemps de ça, mais ça a été republié plus tard, c'est pour ça, Yves Bonnefoy, donc vous connaissez le grand poète Yves Bonnefoy, a demandé à un certain nombre de gens, enfin un nombre important de gens en nombre, j'entends, d'écrire des textes sur les mythes. De certaines régions du monde. Donc, j'ai eu l'honneur de prendre l'Amérique du Nord pour les Amérindiens, d'autres, les Inuits, pour l'Amérique du Sud. Enfin, vraiment, ce sont deux gros volumes qui sont parus très importants. Je les ai là, on pourra peut-être voir et tout. Donc, j'ai travaillé sur trois sections de mythes, c'est-à-dire de textes, de thèmes, pardon, non pas de mythes, de thèmes. Pour essayer de faire une synthèse, parce qu'autrement, c'était absolument impossible de s'étendre sur tout. Donc, j'ai choisi, par exemple, la création du monde, qu'on trouve de façon différente chez les Iroquois, comme chez les Navajos, comme chez les Hopis, dans le sud-ouest comme dans le nord. La création du monde qui vient soit par le haut ou par le mont Knonien, le monde souterrain. Et toutes ces thématiques, c'est tout à fait passionnant. Donc, j'ai fait trois textes. J'en ai fait un sur la danse du soleil comme rituel auquel j'avais assisté, évidemment, dont j'ai parlé. Et donc, avec quelques illustrations. Nous, c'était passionnant. C'est pas très long parce que l'idée d'un dictionnaire, c'est pas. Le genre de dictionnaire encyclopédique n'est pas d'écrire 10 à 15 pages, mais d'écrire quelques pages. Mais pour écrire quelques pages, parfois, c'est plus difficile que d'en écrire 20 parce que tu es obligé vraiment de condenser, d'aller. Puis aussi d'être très clair sur le sujet, parce que pas aller dans toutes les directions. Monsieur Lévi-Strauss m'avait d'ailleurs envoyé un mot pour me féliciter. J'étais très très honoré. Je devrais vous enlèverez ça, par exemple. Hein. Parce que, non, mais c'est vrai, des fois tu te dis, sur le coup, tu dis, oh, c'est bien, mais après ça, tu te dis, oh, mais c'était quand même pas mal, hein. Oui. Voilà, ça c'est les mythologies. Et par la suite, Monsieur Bonnefoy, Yves Bonnefoy, donc, a voulu, ça c'était au tout début, à la fin des années 80, refaire un dictionnaire des poétiques. Mais le sujet, donc, le projet n'a pas abouti, à ma connaissance, il n'a pas abouti. Mais moi, entre-temps, j'avais écrit les textes sur les poétiques. J'ai écrit trois textes sur les poétiques et que j'ai mis en ligne. Donc, c'est. Voilà. Et ça, sur les poétiques aussi, c'est d'une très, très grande richesse. Il y a un nombre imposant de poètes, de femmes et hommes poètes. Par exemple, Madame Bacon, ici à Chquétinou, et qui venait souvent dans mes cours, d'ailleurs, parler à mes étudiants, parce que quand j'enseignais, j'avais souvent des autochtones qui venaient parler dans mes cours. Ses poèmes sont d'une très grande beauté. Puis il y a aussi une autre jeune fille dont j'oublie le nom, jeune femme, Canapé, en tout cas, fait des très, très belles choses. Alors, vraiment, alors dans la poésie, il y a un nombre, des très, très belles poésies.
qui sont publiés, beaucoup sont publiés d'ailleurs. Donc j'avais travaillé sur ces textes, j'avais pas repris les textes de Joséphine Bacon à l'époque, parce que ça remontait trop longtemps, mais que je pourrais réintégrer éventuellement. Les années toujours 80, qui étaient une décennie extrêmement occupée pour moi, j'étais présidente de la Société canadienne d'anthropologie. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience parce que ça m'a permis de rencontrer des anthropologues du Canada anglais que je ne connaissais pas, et d'avoir des collègues, des amis, et d'aller par exemple à Vancouver, d'aller à Edmonton, de connaître cette partie du pays dont on avait parlé quand j'étais petite, qui restait quand même très fort chez moi. Et donc d'avoir échangé avec des collègues et d'avoir fait un certain nombre de choses originales. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai organisé une conférence sur littérature et anthropologie, et j'ai invité un auteur américain qui s'appelle Thomas Sanchez et qui est l'auteur d'un livre extraordinaire sur les Maïdous. Vraiment un des très très beaux livres qui s'appelle Rabbit Boss. À l'époque, je disais pas bien, je disais Rabbit Boss, et tout le monde pensait que je parlais d'autobus Rabbit. En tout cas, Rabbit Boss. Le livre est là, je pourrais le sortir tout à l'heure. Et donc, anthropologie et littérature, j'avais aussi invité Marie-Claire Blais, qui vit toujours à Key West. Et à ce moment-là, Sanchez vivait à Key West. Donc, viennent ensemble, ils étaient venus à Toronto. L'amphithéâtre où ils étaient, où ils parlaient, était plein. Donc ça voulait dire que ça intéressait les gens, en quelque sorte, ce rapport, parce que dans le texte de Thomas Sanchez, c'est vraiment un très très beau livre, il raconte comment le contact entre les Européens dans l'Ouest et puis vers la Californie et les Autochtones, alors il le raconte très bien, c'est une façon de le raconter qui est vraiment magistrale. Et de l'autre côté de Marie-Claire Blais, c'est pas anthropologue, mais c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'ai pu observer, même mais un peu, mais dont elle m'a parlé, parce que c'est pas du tout dans mon style à moi, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller dans les cafés, qui va observer les gens. Alors, moi, j'observe les gens, mais je vais pas tellement dans les cafés, dans les bars, c'est moins mon style et tout. Et c'est quelqu'un qui fait une forme d'anthropologie littéraire, qui observe les gens et qui les gens. Alors, tous les deux, ils apportaient une dynamique. Alors, si j'avais pas été présidente, je suppose que j'aurais pu quand même organiser ça. Il fallait un peu de fonds, mais à l'époque, il y avait aussi plus de fonds qu'on en a aujourd'hui. Alors, c'était une expérience. J'ai pu connaître des gens avec qui je suis parfois en contact, que j'ai beaucoup apprécié, etc. Voilà, donc, et c'est ça. Toute la question des chasseurs, des cueilleurs, c'est une question qui est de subsistance au départ traditionnelle, et c'est aussi une question d'abondance, comme l'a montré Marshall Stallings, mais aussi la question politique dont on a parlé plus tôt avec les revendications de Greenpeace au sujet de la chasse aux phoques, de l'interdiction de certaines espèces, etc., qui est valable dans la mesure où il faut protéger les espèces, surtout les espèces qui sont en danger de disparition, mais dans certains cas, lorsqu'elles ne le sont pas, comme le phoque, pensé pour des raisons de sensibilité européenne avant tout. C'est bien entendu. Alors, en 93, il y avait la conférence des chasseurs-cueilleurs à Moscou, qui était organisée en partie par Richard Lee et d'autres, à laquelle j'étais conviée, et j'avais la charge de diriger deux conférences sur les femmes et les chasseurs, les chasseresses, etc. Alors, Béatrice Médicine était là, que j'avais connue quand j'avais fait mon séminaire, et heureusement qu'elle était là, parce que c'était une époque qui était très très difficile pour moi, une époque de deuil, et je me suis retrouvée à Moscou, un peu pas aussi en forme que je l'aurais voulu, mais Béatrice étant
toujours à côté de moi. Quand on a fait les deux conférences, ça s'est bien passé parce qu'elle intervenait toujours de façon très, très délicate. Ce dont j'en suis très reconnaissante parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Je ne me rendais pas compte si j'allais y arriver. C'était trop, trop récent. De toute façon, ces choses-là ne changent jamais. Et après la conférence donc, à Moscou, nous sommes partis une douzaine en train jusqu'à la péninsule, jusqu'à Mourmansk. C'est-à-dire que jusqu'à Lovo Zero, une communauté où vivent des Samis. Et après, on a pris un petit autobus jaune, comme je faisais avec mes étudiants, pour aller à Mourmansk. Et de Mourmansk, on est rentré en avion à Moscou. Et c'est une expérience qui était très belle, parce que d'abord, le paysage est un paysage nordique, sauf que on est à l'Arctique, puis encore des bouleaux, ce qu'on n'a pas ici au Québec, évidemment, mais c'est tout à fait... On n'est pas du tout dans le même cercle d'influence à cause du courant du Labrador. Là, c'est plutôt le Gulf Stream, etc., qui va. Et puis, en cours de route, il y avait souvent des avions qui passaient, des chasseurs ou des expériences militaires. Et à Mourmansk aussi, c'était remarquable de voir le nombre de navires qui étaient rouillés, qui étaient dans le port, abandonnés, etc. J'ai lu par la suite que c'était souvent des navires qui contenaient des restes nucléaires, enfin, qui étaient des navires qui étaient vraiment empoisonnés et qu'on ne pouvait pas se débarrasser. À Lovo Zero, donc, c'est une communauté samé, là, c'était très intéressant, une communauté de gens... qui vivaient de façon très pauvre d'ailleurs, par rapport, c'est toujours la même chose, l'équivalent par rapport aux Russes. Mais les Russes étaient un peu l'équivalent de nous ici blancs par rapport aux autochtones que nous avons, mais de façon beaucoup plus pauvre, c'est-à-dire que tout le monde était pauvre. Ce que j'ai vu là, je ne vous dis pas aujourd'hui que c'est différent, mais ce que j'ai vu moi à l'époque, ce que j'ai écrit aussi, mais... Tout le monde était pauvre et les Samés étaient donc d'entre les plus pauvres. Voilà, nous on est resté 10 jours là, c'était juste une expérience. Et on est allé en train, c'était bien, j'étais déjà allé à Moscou avant, j'avais déjà voyagé, c'était quand même épique et tout. Les trains russes, si vous les avez pris, sont très larges. Il y a au bout du wagon un samovar, etc. Oui, oui, oui. Donc, je suis rentrée et l'année suivante, Béatrice m'avait invitée à une danse du soleil dans sa réserve de Standing Rock, une réserve Sioux. Et elle avait une maison dans une petite communauté juste à côté, qui fait partie de Standing Rock d'ailleurs. Donc, elle m'a donné rendez-vous... Elle m'a donné rendez-vous au Dakota du Nord. Au Dakota du Nord, on a mis du temps à se rejoindre et tout. J'ai tout écrit ça aussi, mais je ne l'ai pas relu depuis un moment. Donc, on est allé à Standing Rock. Et là, c'était un rituel un peu différent de celui que j'avais connu quand j'étais à Crow Dog's Paradise. Un rituel beaucoup plus organisé. Et là, j'ai vu et constaté, du point de vue religieux, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que du côté, enfin, pour faire un aparté là-dedans, les gens que j'ai connus comme les aînés, comme Madame Volant, Madame Saint-Onge et d'autres, sont des femmes ou des hommes, ont fait des pèlerinages. Des pèlerinages à Saint-Anne-de-Beaupré. À Saint-Anne-de-Beaupré, au mois d'août, on voit toujours beaucoup d'Innu et de Mi'kmaq. De la même manière que des Mi'kmaq, des Malécites ou d'autres vont faire des pèlerinages à Sainte-Anne, à Chapel Island, dont j'ai parlé plus tôt, la réserve voisine du village de ma mère, ou au lac Sainte-Anne en Alberta, où les gens, les Dénés, des Chippewas, des Ojibwas, des gens des États-Unis vont faire des pèlerinages. Alors, l'histoire de Sainte-Anne, qui est la grand-mère, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mais les gens plus jeunes, donc
qui continuent à ce moment-là ne veulent plus ou veulent moins de cette religion et cherchent autre chose et trouvent autre chose. Et à Standing Rock, par exemple, il y avait des Inuits du lac Saint-Jean. Et des autochtones, il y avait des Navajos du Nouveau-Mexique. Les gens, l'été, bougent énormément. Donc, on peut suivre les parois d'un endroit à l'autre. Bougent énormément. Et ces rituels-là, on peut y assister. Donc, on a le droit d'y assister. On est invité à les assister dans la mesure où on respecte l'environnement. Alors, j'ai décrit toute cette section-là parce que Béatrice avait fait monter un tipi par son neveu. Et on avait dû emmener un certain nombre de choses pour les 4 jours qu'on y passait. Donc, elle voulait vraiment m'en montrer comment on faisait vraiment, parce qu'elle était très autoritaire par rapport aux autres Sioux aussi. Elle voulait vraiment me montrer comment on s'établissait, on faisait, quand on faisait une danse du soleil. Donc, son neveu montre cet énorme, magnifique tipi. Et elle m'avait fait transporter des casseroles, différents vêtements de couverture et également les deux fauteuils réservés à ses parents qui sont décédés depuis longtemps. Donc dans le cercle d'un tipi, les gens les plus importants sont au fond du tipi. Donc comme les parents de Béatrice donc, étaient dans ces deux fauteuils, des fauteuils sables, mais très très jolis, qui sont d'origine Sioux, établis dans ces fauteuils. Et tout au long, donc à ce moment-là, il y a les invités. Et les gens les moins importants, ils sont dans l'entrée. Et elle m'avait mise dans l'entrée, pas loin de l'entrée. Et puis, ça me faisait penser justement à un homme nommé Cheval, parce que des fois, j'ai l'impression que j'étais une femme nommée Cheval, parce qu'il est toujours attaché au poteau juste à l'entrée. Harris, là, dans le film, mais elle voulait me montrer en quelque sorte que j'étais une blanche, j'étais pas une Sioux, et c'était là que j'habitais, etc. Je m'arrangeais pour remonter un petit peu, parce que dans la tradition du tipi, c'était au bord, d'abord l'hiver, le vent rentre, l'été, la pluie monte, etc., etc. Donc, c'était tout à côté du site de la danse du soleil, et tout en bas, il y avait la rivière, où avait d'ailleurs, j'ai une photo où on voit Tatanka Yotanka Sitting Bull en train de boire avec son cheval, il faudrait que je la retrouve, mais j'ai cette photo-là. Et puis un peu plus loin, il y avait sa tombe. Il y a aussi un monument à Montbridge, d'où elle venait, mais il y avait aussi sa tombe. Donc on était vraiment dans cet univers, on baignait dans cet univers, et on suivait, vraiment m'initiait à suivre tous les rythmes, y compris l'échange des cadeaux, la nourriture, comment on faisait la queue, comment on dansait, et comment s'installer autour de la danse du soleil, et à la fin... Une fois que l'arbre sacré a été trouvé et érigé, et qui se monte tout en haut, et qu'on a construit, placé les lanières qui vont servir aux danseurs tout autour, mais à la fin du rituel, à ce moment-là, il y a le chaman vient avec une grande plume d'aigle, et on peut aller embrasser soi-même. L'arbre, et on est purifié par la sauge et par la plume d'aigle donc du chaman. C'était une grande cérémonie qui était à la fois très ethnographique, parce que Bi est anthropologue, et en même temps qui était une façon aussi, elle voulait absolument que j'y aille pour entamer une forme de guérison à la suite de ce deuil que je vis, et elle m'a dit qu'on avait toujours à la fin une vision. Tout le monde avait une vision à la fin, surtout quand on avait participé à des danses du soleil, comme j'y avais participé avec elle, malgré son ton très autoritaire et tout. Et donc, à la fin, elle a eu sa vision. Puis elle m'a demandé quelle était ma vision. Mais j'ai dit, sorry, no vision. Je me suis dit, j'ai pas eu de vision. Mais quand je suis rentrée ici... Dès la nuit suivante, là, j'ai fait un rêve absolument extraordinaire qui correspondait à tout ce que je pouvais imaginer de ce qu'est une vision.
par rapport à la musique, par rapport à mon fils, par rapport aux gens. Alors c'était vraiment un rêve qui était très très vivant. Là, c'était vraiment très fort. Alors je me suis dit là, elle m'avait bien assuré que sa vision venait de tout ça, voilà. Et aussi à les chants qui tournent autour, les chants que les gens chantent. Et à un moment, elle me chantait des chants pour les enfants. Et qui ressemblait étrangement à certains chants qu'on retrouve chez Bach, à cause de la façon dont ça tombe. On a l'impression, en particulier la B78, en fait, je la trouverais. Et c'est vraiment, c'était exactement pareil. Voilà, donc c'était une grande aventure, pas une grande aventure, c'était quelque chose de très émouvant que j'ai vécu, qui me venait, dont j'ai beaucoup de difficultés à parler, mais que j'ai écrit, que j'ai bien écrit à cause de ça.